La légende du loup blanc de Picardie, à la fin du XIXe siècle, une mystérieuse créature, rapidement surnommée la bête blanche de Picardie, a fait son apparition dans la campagne picarde, au nord de Paris. Le premier à l'avoir vue est un paysan. Et le récit de sa rencontre, avec cette bête est stupéfiant. L'histoire nous a été rapportée par un homme nommé Émilien Guilbert, qui l'a consignée par écrit en 1880. Un soir d'été, au cours d'un clair de lune, un habitant de la région revenait de la ville à pied, alors qu'il passait juste à côté d'un champ de luzerne. Il entendit le bruit de pas d'un chien. Après avoir vainement essayé de l'appeler, il poursuivit sa route. À peine un instant plus tard, le même bruit se fit de nouveau entendre, un coup à droite, un coup à gauche. C'est alors que soudainement, une grande créature à la fourrure blanche, surgit de nulle part avant de passer entre les jambes de notre témoin. C'est alors que ce genre de loup s'est mis à tournoyer rapidement, et sans raison apparente autour de ce dernier alors même qu'il continuait sa marche. Ne sachant que faire, l'homme essayait vainement de frapper l'animal, avec son bâton sans parvenir à le toucher alors que la bête, continuait à lui tourner autour de manière inquiétante. À l'entrée du village, l'énigmatique bête blanche s'est soudainement transformée en un être humain. Notre témoin a affirmé ne pas avoir reconnu l'homme, puisque celui-ci s'enfuit rapidement à l'autre bout du village. À ce moment-là, cette histoire causa une grande frayeur parmi les villageois picards. Aujourd'hui, les auteurs contemporains la classent dans le registre du fantastique. En effet, ce loup qui se transforme en homme nous rappelle grandement les légendes qui abordent le thème de la lycanthropie. Cette histoire est-elle réelle? A-t-elle été enjolivée par le nombre des années? Qu'en pensez-vous? La légende du loup blanc de Picardie, à la fin du XIXe siècle, une mystérieuse créature, rapidement surnommée la bête blanche de Picardie, a fait son apparition dans la campagne picarde, au nord de Paris. Le premier à l'avoir vue est un paysan. Et le récit de sa rencontre, avec cette bête est stupéfiant. L'histoire nous a été rapportée par un homme nommé Émilien Guilbert, qui l'a consignée par écrit en 1880. Un soir d'été, au cours d'un clair de lune, un habitant de la région revenait de la ville à pied, alors qu'il passait juste à côté d'un champ de luzerne. Il entendit le bruit de pas d'un chien. Après avoir vainement essayé de l'appeler, il poursuivit sa route. À peine un instant plus tard, le même bruit se fit de nouveau entendre, un coup à droite, un coup à gauche. C'est alors que soudainement, une grande créature à la fourrure blanche, surgit de nulle part avant de passer entre les jambes de notre témoin. C'est alors que ce genre de loup s'est mis à tournoyer rapidement, et sans raison apparente autour de ce dernier alors même qu'il continuait sa marche. Ne sachant que faire, l'homme essayait vainement de frapper l'animal, avec son bâton sans parvenir à le toucher alors que la bête, continuait à lui tourner autour de manière inquiétante. À l'entrée du village, l'énigmatique bête blanche s'est soudainement transformée en un être humain. Notre témoin a affirmé ne pas avoir reconnu l'homme, puisque celui-ci s'enfuit rapidement à l'autre bout du village. À ce moment-là, cette histoire causa une grande frayeur parmi les villageois picards. Aujourd'hui, les auteurs contemporains la classent dans le registre du fantastique. En effet, ce loup qui se transforme en homme nous rappelle grandement les légendes qui abordent le thème de la lycanthropie. Cette histoire est-elle réelle? A-t-elle été enjolivée par le nombre des années? Qu'en pensez-vous?
La légende du loup blanc de Picardie, à la fin du 19e siècle, une mystérieuse créature, rapidement surnommée la bête blanche de Picardie, a fait son apparition dans la campagne picarde, au nord de Paris. Le premier à l'avoir vu est un paysan. Et le récit de sa rencontre avec cette bête est stupéfiant. L'histoire nous a été rapportée par un homme nommé Émilien Guilbert, qui l'a consigné par écrit en 1880. Un soir d'été, au cours d'un clair de lune, un habitant de la région revenait de la ville à pied, alors qu'il passait juste à côté d'un champ de luzerne. Il entendit le bruit de pas d'un chien. Après avoir vainement essayé de l'appeler, il poursuivit sa route. À peine un instant plus tard, le même bruit se fit de nouveau entendre, un coup à droite, un coup à gauche. C'est alors que soudainement, une grande créature à la fourrure blanche, surgit de nulle part avant de passer entre les jambes de notre témoin. C'est alors que ce genre de loup s'est mis à tournoyer rapidement, et sans raison apparente autour de ce dernier alors même qu'il continuait sa marche. Ne sachant que faire, l'homme essayait vainement de frapper l'animal, avec son bâton sans parvenir à le toucher alors que la bête continuait à lui tourner autour de manière inquiétante. À l'entrée du village, l'énigmatique bête blanche s'est soudainement transformée en un être humain. Notre témoin a affirmé ne pas avoir reconnu l'homme, puisque celui-ci s'enfuit rapidement à l'autre bout du village. À ce moment-là, cette histoire causa une grande frayeur parmi les villageois picards. Aujourd'hui, les auteurs contemporains la classent dans le registre du fantastique. En effet, ce loup qui se transforme en homme nous rappelle grandement les légendes qui abordent le thème de la lycanthropie. Cette histoire est-elle réelle ? A-t-elle été enjolivée par le nombre des années ? Qu'en pensez-vous ?